Vous allez voir avec Calamity aujourd'hui qu'on peut faire un grand film d'aventure qui se passe dans les grands espaces américains et que ce soit une grande réussite. Merci d'accueillir son réalisateur, M. Rémi Chaillet. Un peu ému parce que moi j'ai vécu 9 ans à Angoulême et c'est ici que j'ai rencontré l'animation, j'ai appris l'animation sur le tas avec des gens qui m'ont appris que j'ai pas passé par une école d'animation, donc ça c'est une sorte de retour aux sources. Allez! Hey! Hey! Hop, 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 hop! Martha Jane, c'est quand qu'on arrive? Bientôt. Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront. Et on se construira chacun une vraie maison. Ça nous a pris 5 ans entre l'idée originale, du moment où j'ai vu ce documentaire sur Calamity Jane et que j'ai appris qu'elle avait fait la route de l'Oregon, qui est cette route que prenaient les pionniers de l'Est vers l'Ouest, et enfin l'une des routes. Et puis voilà, ça a mis 2 ans à faire le scénario, un an de storyboard et 2 ans de production à peu près, si on y va très schématiquement. Faut faire 12 images, faut faire 12 dessins par seconde. Et donc ça fait, on avait calculé, je ne me rappelle plus, 57 000 dessins, enfin un truc comme ça, donc avec 1000 décors. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de crayons. Ça fait beaucoup de... Voilà. Vous avez la jambe et 2 côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon? Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité! Vous savez qui est la voix de Calamity? C'était comment cette expérience? C'était bien, enfin, j'ai adoré. Je sais pas quoi dire. Elle est beaucoup moins timide dans le film. Tu fais moins le malin maintenant, tête de boue. Rarement vu une fille aussi mal élevée. C'est pas une fille. La petite dame aura peut-être du travail pour 2 orphelins. Moi, je peux passer. Non, c'est trop dangereux.